Allez, bonjour à tous les amis, bienvenue pour ce vlog du mois de novembre. Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Petit vlog, il va pas être trop long, je pense pas, il n'y a pas grand chose à dire. Simplement une chose qui me tient à cœur depuis pas mal de temps, ça fait quelques mois, même pour ainsi dire au moins un an, que je veux mettre ça en place et que je n'ai jamais eu la possibilité de le faire. Et là, ça y est, j'ai la possibilité de le faire. Donc là, je suis hyper content de pouvoir mettre ça en place. Je vous en parle tout à l'heure. Mais moi, ça me tenait vraiment à cœur. Voilà. Alors, vlog du mois de novembre. J'ai la maison à moi tout seul. J'ai foutu tout le monde à la poubelle où j'ai divorcé. Non, je plaisante. J'ai pas divorcé, j'ai pas foutu les gens à la poubelle. Non. Juste mes enfants sont partis faire des courses. Ma femme est partie en week-end chez son fils, mon grand-fils. Donc voilà. Je vous livre un peu les blablas de la famille. Donc j'ai la maison à moi tout seul. Ouais, je profite pour faire des vidéos live. Alors, au niveau de ce vlog, qu'est-ce qu'on va parler? De la chaîne, déjà. La chaîne, c'est 2295 abonnés au jour d'aujourd'hui, 1er novembre. C'est une communauté qui est de plus en plus grande, qui grossit. Environ 80, entre 80 et 100 abonnés par mois supplémentaires. Donc c'est peut-être pas beaucoup, c'est peut-être beaucoup. Moi, ça m'est égal, l'important c'est que ça grossisse. Voilà. Et que je ne compte pas des abonnés qui s'en aillent parce qu'ils en ont marre de voir ma tronche ou de voir mes vidéos. Donc 2295 abonnés, cap sur les 2500. Et puis après, cap sur les 3000. Voilà, mais une communauté de plus en plus grande, de plus en plus intéressante, des gens hyper, hyper sympas. Vous me laissez des messages de folie. Je kiffe de faire ces vidéos pour vous et pour moi. C'est hyper, comment dire, pas valorisant, mais je suis hyper content de vous rendre content et de. Et est-ce que vous appréciez mes vidéos? Je ne sais pas comment m'exprimer et dire les choses, mais voilà. Vous adorez mes vidéos, moi ça me rend heureux. Voilà, tout simplement. Voilà, donc au niveau de la chaîne, pas grand-chose de plus, hein, les 2295 abonnés au jour d'aujourd'hui. Petite nouveauté sur la chaîne, elle est juste derrière là, je filme avec mon téléphone, juste derrière le téléphone. C'est l'arrivée d'une nouvelle cabine d'aspiration pour la peinture. Voilà. Donc je vous la présenterai certainement, je ferai une vidéo de présentation. J'ai pas pu faire l'ouverture de boîte comme j'avais prévu parce que le carton était hyper gros, c'était hyper. Là, je pouvais plus le poser, je pouvais pas le poser sur le plan de travail pour filmer en l'air, tout ça. Bref, j'ai pas fait l'ouverture de boîte, mais je vous la présenterai et c'est une bombe. Voilà, ça aspire tout, vraiment, même à, vous êtes à 20 cm, ça aspire tout, 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 tout. Donc c'est une aspiration de folie. C'est là, certains connaissent, certainement, c'est la BV300SD. Voilà, c'est ça. J'espère que vous allez bien voir dans le cadre. Voilà, c'est de la marque Benchvent. Voilà, donc c'est une aspiration de folie. Elle prend un petit peu de place, mais à la fois plus pratique que la petite que j'avais. Voilà, donc je vous ferai la présentation de tout ça ultérieurement, peut-être au sein d'une vidéo. Je ferai la présentation de la cabine en même temps, si j'ai une face peinture à filmer, par exemple, je vous ferai la présentation de la cabine en même temps. Ça marche du feu de Dieu, c'est du matériel allemand, donc automatiquement, c'est pas qu'en France on ne sait pas faire, mais quand c'est du matériel allemand, en règle générale, c'est du costaud, quoi. Voilà, la BV300S-D, nouvelle arrivée sur la chaîne. Ça c'est fait, ça c'est fait. Alors, un petit truc avant que je passe à ce qui me tenait vraiment à cœur. On va faire un petit peu le point sur mes kits en cours. Donc, parce que j'en ai pas mal. Moi, je m'y perds pas. Peut-être que vous y perdez. Ou le temps que la vidéo arrive, vous vous dites, ah, c'est vrai qu'il avait celle-là en cours aussi, ainsi de suite. Donc, il y a le SDKFZ 182. Alors, j'ai une vidéo à poster rapidement, la numéro 3. Je ne sais pas si vous la verrez avant le vlog ou après le vlog. Voilà. Donc,
Lui, ça suit son cours. Il y a pas mal de boulot, donc on n'est pas prêt de le terminer, ce kit. Mais ça suit son cours. Je suis sur l'étape là, actuellement. Je vais attaquer l'étape 15 et 16. Donc, je vais préparer tout ça et après, je vous montrerai bien sûr tout en vidéo. La Corvette 58, elle vient tout juste de débuter. J'ai fait une vidéo dessus. J'ai pas avancé grand-chose, si ce n'est que j'ai fait commencer à mettre en couleur toutes les pièces du moteur pour pouvoir assembler tout ça avec vous en vidéo. La Jaguar, elle touche à sa fin. Il reste pas grand-chose. Je suis aux roues, là, l'étape 13. Et puis après, il restera à assembler les pièces transparentes, ainsi de suite, et puis tout monter sur la caisse, et puis les ajustements finaux, rétroviseur, essuie-glace. Enfin, d'ici une, deux vidéos, je pense qu'elle sera terminée. On pourra passer à une autre voiture. La Lamborghini Murcielago, elle, c'est pareil. La carrosserie est terminée, vous avez vu ça en vidéo. Il me reste quelques petites pièces à peindre et à coller. Et puis elle, c'est pareil, ça va toucher à sa fin aussi. Il reste très peu d'étapes, vous voyez. Donc tout sera fermé, porte fermée, capot fermé, donc ça va aller vite. Peut-être une porte ouverte, je ne sais pas. Je verrai, peut-être côté volant. Enfin, ça touche à sa fin aussi. Deux, trois vidéos, je pense, et c'est tout, ça sera terminé. Le fantôme, alors lui, il n'est pas prêt d'être terminé non plus, parce que lui, il me prend du temps, parce que je ne veux pas le louper. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, vous voyez, il y a toute la photo des coupes, il y a toutes les planches des calques, hein, vous rappelez à l'ouverture de boîte ce que j'avais fait, il y a beaucoup de photos des coupes à gérer. Donc j'en suis à l'étape 7 et 8, que je vais bientôt tourner, hein, je vais bientôt tourner la vidéo de ça, donc vous l'aurez aussi très rapidement. Je ne sais même plus si j'ai envoyé la vidéo sur le montage. Oui, la mise en croix, je l'ai faite, la vidéo, tout à fait. Oui. Donc voilà, l'étape 7 et 8 en vidéo rapidement. Lui, c'est pareil, il n'est pas prêt d'être terminé, comme je dis. Et pourquoi tu étais Thierry ? 1, 2, 3, voilà. Donc au niveau des kits, vous voyez, ça suit son cours, il n'y a pas de souci. Il y a pas mal d'autres kits à venir aussi. Je bois un petit coup, sinon je m'endors. Voilà, une bonne petite tisane. Alors, ça c'est fait. La cabine, c'est fait. La nouvelle... le point sur les kits en cours, c'est fait. Ne pas oublier. Voilà, j'ai mis ne pas oublier. L'expo de Vitrolles, kit copter. Rappelez-vous, je dois participer, donc je participerai le 16 et le 17 novembre, le samedi et dimanche 16-17 novembre 2019. Je vais exposer toutes mes maquettes qu'il y a dans la vitrine là. Donc pour ceux qui sont dans le coin, dans les Bouches-du-Rhône ou en périphérie, n'hésitez pas à venir le samedi 16 ou le dimanche 17 novembre. C'est à la salle de la maison de quartier du Roucas de Vitrolles. Voilà, le samedi et le dimanche, 16-17 novembre, j'y serai avec bien sûr beaucoup d'autres exposants. Ça va être une belle fête de la maquette. C'est l'association Kit Copter donc, qui organise ça. C'est leur troisième exposition. Donc venez nombreux. Il faut à tout prix qu'ils fracassent tout pour obtenir des salles beaucoup plus grandes après au futur. Puisque c'est un petit club de maquettes qui est fort dynamique. Donc n'hésitez pas à venir. Tous ceux qui peuvent venir, qui sont en limite des Bouches-du-Rhône, je sais bien sûr que les autres ne pourront pas faire le déplacement exprès pour ça. Mais n'hésitez pas donc à venir pour cette exposition. Alors, si pas mal de vous viennent me voir au stand, je m'excuse d'avance si jamais je ne reconnais pas, parce que j'ai affaire à plus de pseudos que de figures, donc mille excuses si je ne vous reconnais pas, mais présentez-vous, et puis comme ça me permettra de mettre un visage sur un pseudo, et ça me permettra aussi de parler maquette avec vous, et il me tarde de vous rencontrer tous le maximum possible. Voilà pour l'expo. Encore une petite goutte de tisane. Vous voyez, on a fait la plupart de ce qu'il fallait dire et dit.
Il y a un petit mot de la fin, bien sûr, comme d'habitude. Alors, le projet qui me tenait à cœur, que vraiment, vraiment, ça fait plus d'un an que j'avais envie de le faire et que je ne pouvais pas le faire. Là, je vais pouvoir enfin le faire. Donc, je vais organiser. Je vous en avais parlé déjà dans un autre vlog, mais là, ça devient concret puisque dès ce vlog, vous allez pouvoir agir dessus. Donc, je vais organiser une tombola. Alors, je n'ai pas nommé la tombola spéciale Noël ou autre, j'ai voulu, mais bon, peut-être qu'on fera tout ça avant Noël. Donc, voilà, c'est une tombola spéciale. Vous allez avoir le choix, vous, de choisir ce que vous pouvez gagner, tout simplement. Donc, dans un premier temps, je vais vous demander de choisir entre un blindé, un avion ou une voiture. Alors, voiture, camion, hein, c'est pareil. Enfin, voiture, camion, non, camion... Camion, je sais pas trop faire, donc voiture. Voilà, un blindé, un avion et une voiture. Donc vous aurez à choisir entre ça. Maintenant, si il y en a qui préfèrent beaucoup de camions, dites-moi-le. Mais très sincèrement, c'est pas que je n'aime pas les camions, je n'aime pas les gens qui font des camions, mais c'est pas le kiff de tout le monde. Voilà, donc c'est pas trop mon kiff non plus. Il y a bien un ou deux camions que j'aimerais faire, mais c'est des kits rebelles. C'est pas le camion proprement dit, c'est ou un camion pompier ou un camion voilà, des trucs comme ça, hein. Donc voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Donc vous choisirez, alors je sais pas si c'est en haut là ou là, vous allez avoir un petit point d'exclamation, vous cliquez dessus et vous allez avoir le choix entre un blindé, un avion, une voiture. Voilà, ça sera à vous de choisir ce que vous voulez gagner, parce que je me suis rendu compte qu'au début, la chaîne, je faisais que des voitures. Je me suis mis à faire des blindés, je me suis mis à faire des avions. Et il y a beaucoup, beaucoup de monde qui aime les voitures, bien sûr. Mais il y a beaucoup, beaucoup de monde aussi qui aime les avions et les blindés. Donc, je ne peux pas contenter tout le monde, malheureusement. Pardon, excusez-moi, faire une tombola spéciale voiture. Après, ceux qui préfèrent les blindés ne seront pas contents de gagner une voiture. Donc, ainsi de suite. Malheureusement, il faut faire des choix. Donc, le choix, c'est à vous à le faire. Voilà. Donc, ici ou là, vous avez un petit point d'exclamation qui est arrivé. Vous cliquez dessus et vous pourrez choisir entre le blindé, l'avion ou la voiture. Suite à ça, donc, je pense que je mettrai à la parution de la vidéo du vlog, bon, je mettrai 15 jours à peu près. Hein, je verrai à peu près que les votes, comment ils vont faiblir après à un moment donné. Mais je mettrai 15 jours, on va dire 15 jours. J'irai vérifier les résultats du vote. Et donc, j'arrêterai le vote à ce moment-là. Et ce sera ou le blindé, ou l'avion, ou la voiture qui auront gagné. Après ça, donc, je ferai une vidéo spéciale Tombola où je présenterai 3 kits. Donc, si vous choisissez le blindé, ça sera 3 blindés. Si vous choisissez l'avion, ça sera 3 avions. Si vous choisissez la voiture, ça sera 3 voitures. Eh oui, il est intelligent, le Thierry. Voilà. Donc, je présenterai 3 kits différents. Donc, des modèles plus ou moins différents. Mais ça restera ou blindé, ou avion, ou voiture. Et à ce moment-là, vous aurez encore un petit point d'exclamation ici ou là. Oui, d'exclamation. Pour voter pour le kit que vous avez envie de gagner. Comme ça, vous choisissez tout jusqu'au fond, jusqu'au bout plutôt. Voilà, donc là, pareil, la vidéo spéciale Tombola, on mettra 15 jours de vote, et on arrêtera les votes au bout de 15 jours. Et puis, le kit qui aura reçu le plus grand nombre de suffrages, eh bien, ce sera le kit qui sera à gagner en Tombola. Et suite à ça, eh bien, écoutez, je ferai, comme je vous avais dit, je vous avais expliqué l'autre fois, je ferai... Dans une vidéo, je ferai quelque chose de spécial. Ben, il faudra me dire, je ne sais pas, je vais voir quelle minute j'ai fait cette chose spéciale, quelle minute ci, quelle minute là. Et puis, donc, ben, ceux qui me répondront juste pourront participer à la tombola. Enfin, un truc comme ça, hein, grosso modo, hein, ce ne sera pas difficile, donc rassurez-vous. Ça, j'ai le temps encore de réfléchir comment mettre en place la tombola finale. Voilà, tout simplement. Après, on fera un tirage au sort sur internet, comme le font mes amis, l'ont fait tous mes amis
YouTubeurs, Cluster, Arkilon, Fabio, ils l'ont tous fait comme ça. Donc il y a un petit logiciel sur Internet, on balance tous les noms, ou alors je te balance des chiffres de 1 à 40, et puis ce sera, je compterai les messages, comme il a fait Arkilon, c'était pas mal, on compte le 25e message par exemple, et ben, ce sera le 25e message qui a répondu, qui remportera le kit. Et après, une fois que le gagnant sera désigné, bien sûr, il recevra sa maquette. Mais j'achèterai aussi moi-même cette maquette, la même, et puis je la montrerai en vidéo. Comme ça, le gagnant pourra suivre mon montage de A à Z pour pouvoir réaliser le sien. À moins qu'il soit certainement peut-être aussi calé que moi en maquette, il pourra le faire dans son coin. Mais je monterai aussi le même kit en vidéo, comme ça... la personne pourra voir les vidéos avant de l'attaquer ou en même temps, enfin peu importe. Hein? Voilà, je crois que je vous ai tout dit, j'en ai dit beaucoup, hein? Vous allez vous souvenir de tout? Ouais, quand même. N'oubliez surtout pas, au jour d'aujourd'hui, les petits points d'exclamation à droite ou à gauche, à ma droite, à ma gauche ou à votre droite et à votre gauche, le petit point d'exclamation, vous choisissez entre blindé, avion ou voiture. Voilà, à vous de choisir, et puis après on fera la vidéo spéciale Tombola. Eh bien écoutez, on est à la fin du vlog, hein. C'était surtout ce projet-là. Alors pourquoi il me tenait à cœur ce projet? Parce que vous êtes tous magnifiques avec moi, et je n'ai jamais pu vous le rendre. Donc à mon tour, je vous rends. Enfin, je vous rends. Vous m'avez rien emprunté, ou je vous ai rien emprunté. Je parle en live, excusez-moi. Je vous ai rien emprunté, je vous... Non, 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 façon de parler, voilà. Vous êtes formidables, donc ça faisait pas mal de temps que je voulais faire une tombola pour vous. À mon tour de vous donner quelque chose. Voilà. Tout simplement, vous êtes magnifiques, les amis. Et puis, ben, on enchaîne en étant vous êtes magnifiques. Ben, sur le mot de la fin, le vlog est terminé. N'oubliez pas la tombola, les amis. Voilà. Donc, un grand, grand, grand merci à tous mes tipeurs. Sans vous, ben, tout ce qui est là ne pourrait plus exister. Donc un grand merci à vous les tipeurs. Bien sûr, un grand merci aussi à tous les autres abonnés, même si vous n'êtes pas sur Tipeee, à tous les autres abonnés, puisque en visionnant la vidéo, les vidéos, vous déclenchez de la publicité, vous déclenchez un petit peu de revenus pour la chaîne. Donc un grand, grand, grand merci, mille fois merci à vous tous les amis. Vous êtes magnifiques, comme je le dis tout le temps. C'est vous les meilleurs, c'est pas moi. Tout simplement, parce qu'il vous en faut de la patience pour me supporter. vidéo très... Je me lâche, j'ai personne à la maison, c'est pour ça. Bon, les amis, trêve de plaisanterie. Mille fois merci d'être passé par là. J'espère que vous allez liker cette vidéo. Et puis voilà, je vous souhaite plein, plein de bonnes choses. Une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite des vidéos et puis pour la suite de la tombola. Bye bye les amis, à plus. Ciao.